Bonjour, voici votre défi pour cette mi-juin, ami Capricorne. Au centre se trouve la carte Stormfield. La situation développée par le tarot concerne votre rapport à l'autre. Une relation est au cœur de cette situation. Il s'agit de concilier vos relations avec vos nouveaux projets, avec les nouvelles dynamiques. Un Stormfield ici, cette tempête, c'est vous qui l'a provoquée en changeant des choses dans votre vie. Et dès lors, quand vous changez profondément des choses dans votre vie, un réajustement est nécessaire. Et c'est ce dont vient vous parler Magica Map Shifter. Vous êtes en train de révolutionner votre vie. Et il va donc falloir être attentif à ce que vous voulez créer, à ce que vous entendez cultiver au quotidien et les résultats qui sont en regard avec ça. Il y a un appel très fort dans votre tirage à aller vers les autres tout en posant les limites, tout en définissant où se situe votre bien-être, où se situe votre épanouissement. Et Stormfields comme Magical Map Shifter vient de mettre beaucoup d'emphase là-dessus. Le tirage de tarot vous encourage à aller vers l'autre. Mais ça doit être selon la nouvelle personne que vous êtes devenue. On a Strength en position conseil parce que c'est vous qui avez le pouvoir d'équilibrer votre vie. Et c'est de ça qu'il est question ici dans ce tirage. Vous voyez, ce personnage est fascinant. Bon, c'est une posture, hein, je dois avouer, qui est difficile à tenir, parce que vous voyez comme il est droit et comme elle lève très haut la jambe pour aller, pour concentrer toutes ses ressources et aller de l'avant. Là, il y a les opportunités qui flottent vers elle et qu'elle entend saisir. Mais elle emmène aussi tout son monde avec elle, d'où cette stabilité. La carte de la force dans l'oracle est très intéressante parce qu'il y a vraiment cette dynamique que l'on trouve dans la carte de la force du tarot. Et la carte de la lune. Parce qu'il s'agit de se reposer sur sa propre force et la canaliser de la manière la plus équilibrée qui soit. Il va y avoir une phase de déséquilibre quand elle va poser le pied sur la prochaine marche. Forcément. Mais plus vous êtes conscient de votre pouvoir, de vos ressources, et plus vous êtes à même de faire le prochain pas. Et plus vous êtes à même, eh bien, de faire des changements, des transformations qui vont révolutionner votre vie, mais qui la révolutionneront en donnant, eh bien, la priorité à ce que vous désirez vivre. Ici, on a une carte d'aura qui synthétise beaucoup d'énergie du tarot. On a le magicien, c'est-à-dire que tout est entre ses mains. On a l'aveuglement du fou, du magicien quand il démarre quelque chose. Et on a la carte du chemin de vie. Il s'agit d'avoir la sagesse de l'ermite et de choisir ce qui est réellement important pour notre cœur. Ici, le magicien ne choisit pas forcément des relations amoureuses avec ce cœur, non. Il choisit parmi les opportunités celle qui lui tient le plus à cœur. C'est pour ça que son aveuglement ne le dérange pas. C'est pour ça qu'il est serein et que cette roue qui tourne, il est parfaitement à même de décider en quelle direction il va la pousser. Ensuite, ce sera le saut dans l'inconnu. Soit vous arrivez à vous reconnecter avec la personne dont il est question dans ce tirage, soit une transformation plus profonde interviendra. Mais pour les cartes, vous pouvez vous reconnecter. Pour les cartes, il s'agit à présent que vous avez décidé de ce que vous allez changer, il s'agit de le proposer, de pousser cette roue dans la direction que vous voulez. Et ensuite, vous lancez dans l'aventure. C'est un excellent tirage.
C'est un excellent tirage. On verra s'il sortira avec les cartes d'oracle. Et pour beaucoup d'entre vous, vous pouvez faire un pas vers l'autre, avec certaines indications autres. Ça, je vais vous en parler dans la version, l'extension de ce tirage. Donc, je vais arrêter là pour l'instant. Vous pouvez me suivre en cliquant sur le lien, dans le menu titre. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez aussi liker, commenter et partager cette vidéo. Au revoir.